Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 6 de Middle-earth, Shadow of Mordor. Aujourd'hui, nous allons enfin aller aider notre ancien camarade à recruter de l'armée pour aller tuer son armée. Une armée pour tuer une armée, ça me paraît des plus logiques. Donc allons voir ce que tout ça donne, c'est parti. Aïe aïe aïe. Tuer les chefs de guerre. 0 sur 4, ah bah oui, mais oui. Et d'abord on va faire l'autre truc. Oh mais je vais finir le jeu trop vite si je... Non, c'est pas possible. C'est pas possible que ça se finisse si vite. On va aller Ah, attends, une herbe dont j'ai besoin, surtout à proximité. Hop. J'ai pas récupéré ça, disons. 35% de chance d'effectuer un coup critique dès la première attaque. Ah, des gens à tuer, j'aime. Pour bien commencer la journée, tuer quelques orques, ça fait toujours du bien. Voilà, excellent. J'adore ma vie. Tu crois que je peux en tuer un d'ici ou pas? Même ça, c'était un esclave, merde. Ouais, je peux. C'est génial. Oui, j'ai tué un esclave, oui, mais j'ai pas fait exprès, ça va. C'est pas ma faute. Ok. On se calme. Il a pas dit que j'avais un truc à récupérer pas loin d'ici, genre une herbe. C'est celle-là? C'est de l'herbe à pipe? Oui, de l'herbe à pipe! Génial! On aime l'herbe à pipe. Moi j'ai envie de me renseigner sur. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Il me reste combien de flèches? Une seule flèche! Ça servira pour lui. Histoire d'aller tranquillement ici. Hop! Qu'est-ce que tu fais pour lui? Ah, je peux me renseigner sur eux aussi direct. Sur les chefs de guerre directement, ce serait pas débile ça. Je vais prendre lui, tiens. Comment lui il a fait pour être chef de guerre, c'est une blague. Se moque des autres rooks, assez pathétiques pour montrer leur peur. Deux gardes du corps, ça va. Dégâts par coup finaux au combat, peut être blessé par coup finaux au combat, oui. Va te blesser par explosion. Fort bien. Et eh ben écoute, ça m'arrange tout ça. Il paraît que le rôdeur est maudit. Si c'est de la magie spectrale, on ferait bien de se préparer et de rester sur nos gardes. Faut que je récupère des flèches, moi. Du coup, ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais passer derrière lui. Je vais le drainer. Comme la petite merde qu'il est. Si vous n'ouvrez pas l'œil, je vous enverrai affronter les groupes tout seul. Allez. Allez. Allez, draine-moi ça. Et tue-moi ça. Parfait. Hop, toi tu meurs. Toi tu meurs. Et toi tu meurs. Voilà, parfait. Ils ne vont quand même pas nous tuer parce qu'on a cassé quelques outils. Les autres ne s'en sont pas sortis. Aidez-nous. Mais tu veux que je fasse quoi, gros? Dieu merci. Ok. Pourquoi pas. Bah, y avait une force, mais je sais pas à quoi ça a servi au final. J'ai l'impression que ça a servi à rien. J'avais un point, hein. Bon, peu importe. Je vais tuer lui. Hop. Salut, gros. Désolé, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu résister à la tentation de te tuer actuellement. Je peux le tuer de là? Sérieux? J'ai mis furtivement. Non, je peux. Waouh. Toi, tu vas te calmer de suite, ok? Ah, mais lui, faut pas que je le tue. Lui, faut que je le chope, genre comme ça. Hop! Allez, gros. Interroger. Alors qu'est-ce que t'as à me dire toi? Est-ce que tu peux m'enseigner par hasard? Ah tiens. Les deux gardes du corps, c'est lui et lui. Oh, intéressant ça, dis donc. Ok. Combien il garde du corps lui? Dégâts par coup finaux et peut être blessé par attaque furtive. Intéressant. Intéressant. Allez, salut. Alors.
Revenons-en à nos moutons. De toute façon, il faut que je tue tous les autres gardes, je crois, donc... Peu importe ce qui se passe. Waouh. Toi, tu peux m'être utile, toi. Hop. Salut, gros. Mais alors ? Yop, là ! Parce que c'est un peu loin, l'autre endroit où je veux aller, donc... Du coup, c'est stylé qu'on puisse, que je puisse y aller à dos de Kragor, quoi, hein. Tout simplement. Allons-y. Et un petit voyage à dos de Kragor, ça fait toujours plaisir, salut. Hop là. Petit coup en passant, tranquillou. Je pourrais dire salut, je suis par là, je suis passé par là. Ok, pourquoi pas. Ce n'est pas un Kragor qui va m'inquiéter. Je vais vous faire couiner. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Tous les deux. Le gentil, Musglobe le gentil. T'es sérieux, gros, là ? Tu sais ce qui va se passer, là ? Ce qui va se passer, c'est que je vais te tuer avec tes flèches. Parce que tu m'as saoulé. Tout simplement, tu m'as saoulé. Ça suffit ! Courez ! Ouais, c'est ça. Eh bien... Mais enfin... Non mais gros, est-ce que tu comprends pas, là ? Et reviens ici ! Ah, voilà, parfait. Merci. Moi, je te balance comme la petite merde que tu es. Interrogé. Je crois que je peux. Je te vois avec les yeux ouverts ! Oui, c'est bien. Bravo, garçon. Oh, lui, il a pas l'air commode, il est gros. Il va être chiant à tuer, je sens. Pas forcément dur à tuer, mais chiant. Peut être blessé par coups finaux, peut être tué instantanément par des coups finaux exécutés à d'autres bêtes. Pourquoi pas. Ouais, mais je passe par là, je vois des gens, ils sont là. Ils veulent du mal, tout ça. Plein de gens qui sont liés. Genre lui et lui sont liés. Lui et lui. Est-ce qu'il n'y a pas écrit normalement le nombre de gardes ? Je sais pas si c'était écrit pour l'autre. Tiens, des renseignements. Ouais, ça va. Ça va. Bon bah ok, c'est pas écrit, c'est pas grave. Ça, ça m'a donné quoi du coup ? Je sais pas, c'est pas écrit. Tant pis. Hey gros, viens ici. J'ai besoin de toi. Hop, ah, j'aurais été caché dans l'autre herbe. Trop drôle. Et ça, je crois qu'il faut que je le récupère aussi. Yep. Oui, parfait. Mais ça va, oui. Enfin, mais si, je t'ai dit. Je suis ton maître. Tu dois de m'écouter. Moi, je fais toutes les missions en même temps, t'as préféré. Hop. Ok. On va descendre tranquillement. Il m'énerve lui. Après, tu vas tuer quelques orques, ça te fera du bien. Hop. Duel. Ah, encore un petit duel. Guzel, tueur de Grog. Ok. Très bien. Eh bien écoute, on va tuer le tueur de Grog. Je te vider de ton sang, et ensuite je t'achèverai. Mort la poussière et meurs, sale Tark, mangeur de Shrak. Mangeur de Shrak. Je sais pas ce que ça veut dire, genre Tark. J'ai 6 flèches. Ok, parfait. Et le. Oh putain, il est insensible aux attaques. C'est relou aussi, quoi, merde. Allez, toi, tu prends ta saucée. On va tuer les autres aussi, là, t'as qu'à faire. Salut, gros. Ça comme tu veux. Hop. Salut. Ah ouais. Quoi? Parce que moi je suis pas vraiment d'accord en fait. Voilà. Toi, t'es mort. Déjà, tu as osé me parler. Tu payes de ta tête, tout simplement. Mais l'autre il va mourir aussi, hein, faut pas croire. Hein. Pouvoir accru, bah c'est parfait, comme ça il me donnera plus de pouvoir.
Rapport de combat. Intéressant. Et si tu crois que tu vas t'en sortir parce que je t'ai pas vraiment épargné en fait, j'ai juste tué l'autre avant, c'est tout. Mais je tue aussi. Plein d'autres ours d'où je viens, imbécile de Shrak. Ouais. Je suis seul, mais je vais quand même te péter la gueule. Tu sais pas ça encore? Je te préviens, hein. C'est tout. Tu vois? Moi, je te préviens juste. Je suis là pour être gentil avec toi, tout ça. Mais tu veux pas? Bah écoute, on va te passer de coups. Toujours plus puissant. En repli. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu crois que je vais te laisser t'échapper, toi? T'es un peu ouf, non? T'es un peu un ouf dans ta vie, toi. Reviens ici. Tu ne pourras pas t'échapper. Parce que je te suis, vrai. Jusqu'à la fin des temps. Hé! Qui tu te prends, toi, là? Ah mais non, allez, come on. Il est presque mort là, c'est bon. J'arrive pas à croire cette Shrak, mis à genoux par une vermine du Gondor. Qu'on en finisse. Mais oui, c'est exactement ce que je vais faire avec toi. Comme ça. Exactement. You die, like the bitch you are. Ok les gars, c'est parti pour le fight de ma vie. Boum! Il y en a masse! Merde! Je vais crever, hein, moi. Si je fais pas gaffe. Come on! Quoi? Qui c'est qui m'a touché? J'ai pris 10 ans, sérieux. Ah, mais je me suis défendu là, c'est une blague. Ok. Je pense que je vais juste me casser. Quoi? Oui, ben, je sais, merci. Salut! Oh putain! Ah, mais il y a un mec qui peut m'enseigner là. Ouais, mais ils sont beaucoup quand même là. Oui, je sais. Pourquoi il me continue à me casser les couilles comme ça? Bon, c'est la fuite. Tant pis. Aïe! Casse-toi! Il n'y a rien à faire là. Moi, je m'en vais. Faut quand même que je récupère ça. Hop. Ainsi que 46% de chance de récupérer l'intégralité de... Ta gueule, toi. Eh bon, cassez les couilles, les gars. Je pourrais pas tout tuer, ça va mettre 10 ans. C'est bon, là, laissez-moi tranquille. Voilà, toi, tu meurs. Je voulais vraiment qu'on joue à ça, parce que je peux, mais ça va être relou, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment. Je suis beaucoup trop fort pour vous, je vois même pas pourquoi vous essayez. Quoi, je me suis protégé hein? C'est une blague. Je peux pas. Ah, je peux plus. Oh non, c'est chiant. Bah non. Bah non, c'est chiant. Les gars. Pouvoir accru, oui, bah. Golem mon cul, hein. Genre il a tué lui aussi. Sérieux. Tout douce. Tout ça parce qu'il m'a tué, ouais. Ah ouais, ouais, du coup c'est le bordel quand on me tue, putain. Putain, il a encore des promus, c'est une blague. Mec, c'est une pauvre merde, tu sais. Oh là 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 là. Oh, c'est quoi ce bordel? C'est un truc de ouf. Non mais lui je vais le buter de toute façon. Mais plus tard. Je me vengerai mais plus tard. Que sont ces tours d'argent? Fais chier. C'est la lumière qui nous guide dans la terre des ombres. Là où toutes les autres échouent. Le pâle reflet de la lumière des deux arbres est le souvenir d'un royaume. Ah un grog. Est-ce que je lui fais quand même des dégâts quand je fais ça? Non pas du tout. Bon moi j'avais un objectif au départ hein. Je vous rappelle. Ah tiens je peux faire un truc ici.
Oui, mais je suis toujours attiré par les trucs qui arrivent comme ça, tout ça, comme ça. C'est chiant aussi, voilà. Je veux dire. J'aimerais que ce soit pas le cas, mais c'est le cas. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Qu'est-ce que j'y peux? C'est ça que vous appelez une épreuve? Tu vas crever, toi, tu sais ça. Allez, et le 1. Et le 2. Et le 3. Et le 4. Et le 5. Vas-y, le. Bon. Hop. Ah, mais il est mort. Tu es pas un Caragor. Balancé dans un trou. Et je devais récupérer les informations. Oh là là. Mon bête. La porte de combat. Ah mais j'en suis, il y en a 40 000 qui arrivent derrière ça. C'est trop chiant. C'est trop chiant, il m'en manque qu'un à découvrir là. Putain de chef de guerre. Oh gros. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Faut que je récupère ça moi. Allez, tu peux le faire. Je vais meurtrier, rafale, restitue. Tu peux le monter? Normalement je peux hein, quand je fais ça. Non. Excuse-moi, j'ai juste besoin de se monter comme ceci. Voilà, parfait. Excellent. Maintenant je vais. Allez, je vous promets, je m'arrête plus. Je vais directement à la mission, tant pis, s'il y a des trucs secondaires à côté. Je les fais pas, c'est promis. J'y vais direct. Voilà. Tagada, tagada, soin de soin. Je crois que c'est là que j'étais tout à l'heure en plus. Là j'ai des renseignements à récupérer partout aussi, c'est facile et tout. Ah si je m'écoutais. Hein. Je n'arrêterai jamais. Tout simplement. Faire toutes les missions que je peux trouver sur mon passage et sur mon chemin. Et tu passes pas gros. Je suis désolé. I'm sorry. Les exilés. On va avoir besoin de plus d'hommes. Très bien, bah écoute, on va aller chercher des exilés. C'est ça qu'il faut faire. Allons-y. Salut. Content de te revoir. Celui-là nous a fourni des informations utiles. Avant qu'on lui tranche la tête. Avant qu'on lui tranche la tête. Ces soldats ne savent rien. On perd un temps précieux. Tu es sérieux? On a appris où il garde notre poudre explosive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de poudre explosive? Putain, mais t'es en con ou tu fais exprès là? Viens, cher ami. T'as un truc à faire avec de la poudre explosive. Manoir m'intéresse. Tu es si impatient de le retrouver. Je ferai tout pour t'aider dans cette quête. J'aime pas jouer des mecs débiles comme ça. Bon, au moins, ils ont leur personnalité, quoi. C'est avec déjà un ça. Peu de chance, mais, les Uruks n'ont pas encore découvert les secrets de la poudre explosive. Il faut libérer mes hommes pour le savoir. Tu crois que la poudre explosive peut attirer la main noire? Je l'espère. L'ennemi se rassemble au creux des Uruks, où beaucoup de mes hommes sont esclaves. J'espère y trouver aussi Erin. Je vais m'occuper des Uruks. On pourrait tenter une approche plus discrète, en utilisant leurs points faibles pour les neutraliser. Le Grog. Tu connais l'Iklas? Ouais, ou alors on les tue. C'est une plante toxique, parfaite pour une chose. Empoisonner les orques. Suis-moi. C'est ce que je suis en train de faire, gros. Allons. Quand j'ai déserté de la Porte Noire, je suis tombé malade. C'est Erin qui m'a soigné. C'est pour elle que tu as rejoint les hommes des tribus? Elle compte par-dessus tout pour moi. Il n'y a pas tellement de camps où ils ont pu emmener ma femme. Tu crois qu'elle sera dans celui-là? Mon cœur me dit que oui. J'espère ton cœur, mais qu'est-ce qu'il en sait ton cœur? Et ta teub, tu dis quoi ta teub? Ok, bon bah du coup on va sauver sa femme. Je vais guetter les Uruks. Sois prudent, rôdeur. Prendre la fuite, sinon pas plus sur le Morano comme. Sois prudent. T'inquiète pas, je suis toujours très prudent comme garçon. Je me fais jamais remarquer. Il est pas mort lui. Il est derrière la porte là. Non, je peux pas le voir. Hop. Voilà, mieux. Parfait. Bon, ça c'est fait. Récupérer les herbes pour le poison. On va en avoir une là, j'imagine.
Ctrl G, on a dit, arrête de faire des E partout là. Quoi, y'en a encore ? Ah non. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur V pour les trouver ? Oui ! Y'en a là. Ok, très bien. Excellent ! Hop, y'en a là, y'en a là-bas aussi. Et la dernière qui est là-bas, je crois bien. Oui, je l'ai vu. TMTC. Avec la vision, tout ça. J'espère que le con de la gueule ne va pas fusionner avec nous. Parce que ça nous fait plus de concurrence. C'est déjà bien assez dur. Voilà. Je sais pas à quoi t'as servi, toi, mais pas à grand chose. Il y a d'autres plans de plus loin. Suis-moi. T'as pas à me dire où vous étiez, c'est déjà pas mal en soi, mais bon. Entrée, débloquer une compétence. Ah, j'ai un point de compétence. Et j'ai débloqué le niveau 3 déjà. Putain, c'était rapide. Réduit le temps nécessaire, plongé sur un ennemi vous permet désormais de l'étourdir. Ok, pourquoi pas. Charge d'épaule. Pour briser un bouclier, ça peut être intéressant. Une version mortelle de la frappe de l'ombre. Oh, ça c'est pas mal ça, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, je vais prendre ça, c'est cool. J'aime beaucoup l'idée. Et cette poudre explosive, j'ai fait du troc avec un inventaire. Un inventaire. Cette poudre contre nos empreintes. Et c'est plutôt équitable, non? Tu te révèles être un bon chef, finalement. Pour un déserteur. Uniquement parce que je laisse des hommes comme toi faire le plus dur. Au prochain combat, je ferai couler tellement de sang qu'on aura plus de grog qu'on pourra en boire. Genre là, on est discret là. Pour de vrai. Il ne nous voit pas. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, tu m'en mets où toi? Allô, garçon. On est loin encore ou on va rester caché comme ça pendant 10 ans? Je m'impatiente. Dis-moi que c'est là. Au Mordor, même les fleurs sont mortelles. Ouais, pas qu'au Mordor, hein. Il y en a partout des fleurs mortelles, tu sais. C'est comme ça qu'on fait du poison. Vous avez entendu ça? Goûte mon acier. Et ils m'ont vu. Quoi, c'est eux qu'il faut que je tue? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? T'es con, tu fais exprès? Du sang et de la violence. Oh, mais c'est pas vrai. C'est encore mis dans la merde tout seul. Allez. Olé, tu croyais qu'il pouvait m'avoir? Et non. Laisse-le-moi celui-là, j'aimerais bien récupérer des... J'aimerais bien récupérer éventuellement... Voilà, parfait, des flèches. J'en ai récupéré que 5. Oh, tristesse infâme. Ah, il est redescendu juste pour ça. Boulos. C'est bon, on peut y aller là ou... Créer les herbes. En vol. Crois quoi, gros? Qu'est-ce que tu crois exactement? Tu te crois caché là? Non, il y en a une là, une là. Bon, c'est pas le Karagor qui va me faire peur en vol. Mais tu vas crever, arrête de te battre contre le Karagor, c'est débile. Je suis désolé, moi. Je voulais pas te tuer, mais c'est lui, il m'a obligé. Je suis désolé. Ici, il s'est attaqué à toi comme s'il pouvait te tuer alors que c'est une grosse merde. J'ai oublié de tout faire ici. Même si je suis pas très futé, je me bats pas plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. Tu devrais rester en arrière. Le retour de Sauron totalement impossible. Et moi, tu me laisses faire le sale boulot. Hein. Il sera bientôt impossible d'y résister. Quand on a compris qu'on ne pouvait pas combattre les orques, on s'est déguisé en esclaves pour se glisser dans leur camp et libérer les autres.
Une stratégie audacieuse ? Pas vraiment. On avait toutes les chances de finir esclaves. Au moins, on y était préparés. Ouais. Ils m'ont sauvé. Ils m'ont dit que tu dirigeais le groupe envoyé pour ramener ma tête. J'étais volontaire. Si tu t'étais fait capturer, les rôdeurs t'auraient tué. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Oh, il est sympa en fait. Pas très fut-fut, mais sympa, il se bat bien. Bon, c'est un homme. C'est un mec qu'on aime bien avoir dans sa team. On a presque assez de poison pour notre plan. Il y a personne en plus pour nous pour protéger. Easy money. Easy money. Où sont les autres? Là-bas et là-bas. Très bien. Tu pourrais pas les récupérer toi aussi, t'as qu'à faire. Au lieu de faire rien. Hein. Ah là 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 là. Terrible. Ok, deux secondes, je récupère ça aussi. Je sais pas ce que c'est. Je crois pas que c'est de l'herbe à pipe. Non, c'est du Winual. Il faut de l'herbe à pipe, moi. On y va? Ça devrait suffire. Oui, parfait. À présent, il ne te reste plus qu'à mettre ça dans leur grog. Les orques ne vont pas sentir le poison. Non. Mais s'ils te repèrent, je doute qu'ils le boivent. Les Ouroks sont postés T'inquiète, près des portes principales. T'inquiète, je vais mettre de la discrétion. Pour le bien de mes hommes, reste dans l'ombre. Je vais rassembler mes hommes. On se tiendra prêt à prendre la poudre explosive une fois le camp dégagé. Sinon, je les tue tous aussi, hein. Ça peut être cool. N'oublie pas Talion. Évite de te faire repérer. Ces Ouroks ont tué beaucoup d'esclaves pour moins que ça. Ouais, je peux aussi tous les buter, tu sais. Mais bon, c'est pas le but de la mission, ça va, j'ai compris. Éliminer furtivement les Ouroks. Ok, bah vas-y, on va faire ça. Il faut que j'en élimine 5 furtivement. Je me préparais à partir à la chasse. Et tout à ça coup, marche pas à l'arc, je crois, de les tuer. De préparer plus de provisions. On va sûrement nous redéployer au donjon. Hop. Il paraît qu'ils ont vu ce rôdeur Tark dans le coin. Titi-li-ti-li. Hop. Et 2-1. C'est déjà ça. Descends jusqu'en bas. Voilà, c'est bien. On voit pas là. Non. C'est bon, tranquille. Oh là, descend. Supplie-moi. Hop. Et 2-2. On va tuer celui qui est juste là maintenant. Tranquillement, sans pression. Et 2-3. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais viser les archers parce qu'ils sont isolés, en fait. C'est beaucoup plus simple. Le problème, c'est que je peux pas les éliminer furtivement, mais avec l'arc. Alors que bon, concrètement, c'est furtif, hein. Mais bon, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Il faudrait que... Si je tue les 3 qu'il y a là... Ah non, il y en a un autre derrière, là-bas. Vas-y, on va... On va essayer. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, il va me repérer. Ça aussi, c'était furtif. Et ça, c'est furtif. C'est considéré comme furtif. Oui, parfait. Quoi? Mission échouée. Ah, mais oui. Mais oui, il fallait pas que je me fasse repérer. Mais oui, mais bon, aussi, quelle idée. 3 sur 5. Okay, bah, c'est bon. Nickel. Nickel. Il y en a 2 là-bas. Qui sont un peu exilés. Ce sera... Parfait. J'aimerais que ça compte comme une élimination furtive. C'est pas le cas, n'est-ce pas? Quoi? 0 sur 5? Pourquoi 0 sur 5? C'est une blague? Quel con. Oula. Toi, tu vas être attiré là. C'est Tourou qui a été massacré! Il m'a vu là, personne m'a vu. Si, lui il m'a vu. Mais cours, vole! Attends! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ok, je vais tuer lui. Oh là putain, il y en a un juste là. Ah, ça va être compliqué ça. Ça va être compliqué. Il faudrait que je monte sans me faire repérer. Parfait.
Normalement, là, personne devrait me voir. Si je fais juste... je peux pas faire ça sans me faire repérer, j'ai l'impression. Si là, je peux monter peut-être. Vas-y, viens, 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 rapproche-toi de moi. C'est bien. On a pas vu ? Non, c'est bon, nickel. Eh bien quoi, tu peux remonter là ? C'est une blague ? Tu me fais des blagues, c'est ça. Il y en a deux là, ce sera mes deux cibles. Actuellement. Vas-y, viens. Hop ! Salut ! C'est un plaisir de faire ta connaissance. Il y en a un juste en dessous et la mission sera réussie. Hop. Excellent. Parfait ça. Bon, maintenant faut que je verse les trucs dans les grogues là. Mais ça va parce que j'ai mes flèches, il m'en reste 4. Surtout pour les archers. Du genre lui. Voilà, c'est bien. Waouh. Je me bouille en plus. Parce que l'autre il m'a vu là-bas. Je vais finir par me faire repérer. Ok. Ouais, il y en a pas ici. Il y en a genre 2 là-bas. Il faut que j'aille là-bas, bon, c'est parfait ça. Ça va bien se passer. Oh, wow. Ah non, j'ai raté. Merde. Dis dans la soupe, pas à côté. Ce truc brûle aussi bien. Excuse-moi, mais c'est juste que les archers, ça me fait chier sa mère. En fait, actuellement. Ah merde. C'était pas forcément très malin, ça. Tu m'as pas vu. Tout va bien. Rien du tout. Je me casse, Fissa. Il va falloir que je... Ah, cette mission est plus compliquée que ce que je pensais au final. Hein. Discrétion, c'est pas forcément mon dada. Il me reste une seule flèche en plus. Il y a juste un mec. Est-ce que tu crois que je peux le tuer en mode. Sans me faire repérer ? Oui, parfait. Ok, je remonte vite. Hop. Okay, excellent. Je sens quelque chose. Le tueur a dû partir depuis une éternité. Ouais, je suis parti depuis bon, bien une éternité actuellement. Ok, alors là, il va falloir que je tue lui. Attends, il est où ce con? Ah, il est là. Bon, je vais être obligé de faire comme ça. Hop. Parfait. Plus que deux. Sachant qu'il y en a un là-bas. Parfait. Et après, plus qu'un, ce sera le plus compliqué. Parce qu'il est en plein milieu des autres. Non, si je pourrais genre tous les éliminer. Wow. Non, c'est pas le moment de se faire repérer, gros. Parce que j'ai plus de flèches en plus. C'est bon. Quoi ? Non, tu m'as pas vu, non ? Je crois pas. Non. Faut que j'aille. J'aille là-bas. Au milieu. Attends, c'est en dessous ? Ouais, j'ai l'impression que c'est en dessous. Attends, il y en a un là. Il y en a plein de ce côté, mais il n'y en a pas au milieu là. Il est juste en dessous de moi. En même temps, ils sont tous en train de crever un par un. Alors. C'est plutôt stylé. Et c'est bon ! Ils vont tous crever. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup quand même. J'aurais peut-être pu tous les tuer d'un coup. Il y a moyen.
Et voilà. Easy money, quoi, j'ai envie de te dire. Trop facile. Oh là. Pas très fut-fut quand même, hein. Enfin, je joue. Viens avec moi. Je crois qu'il aurait pu lui parler, la calmer, tout ça. Je le savais. Il y aura d'autres batailles, Talio. Mais nous trouverons la paix. Bon, en fait, c'était juste pour sauver sa femme, quoi. Même pas besoin de faire 10 millions de trucs en soi. La bête que vous chassez se trouve à proximité. Qu'est-ce que c'est que je dois chasser? Tuer 5 créatures ailées. Ah oui, d'accord, ok. Ah, il en reste un. Embuscade disponible. Ok, tu m'as pas vu, je suis discret. Salut gros. J'ai dit salut gros. A plus. Il faut agir maintenant. Vous devez y retourner pour sauver mes amis. Ils ont tellement souffert qu'ils ne tiennent plus debout. Ouais. Ok. Merci Roder. Je veux. Peu importe. Du coup, je vais m'arrêter là pour le moment. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de ces aventures. C'est toujours de mieux en mieux. J'adore ce jeu. Je pense que c'est un de mes jeux préférés actuellement. Donc, je vous dis à la prochaine pour la suite et j'espère que ça vous a plu. Et à plus. Tchuss !